Donc, nous voulons que dans chaque sous-préfecture, les femmes policiers de Founio devront mettre 3 machines à leur disposition. Alors, peut-être également, quand la sous-préfecture, quand Founio est en Angola, les soldats avaient un moyen, et il y a des machines qui s'attirent. Une machine pour décortiquer. Machine pour faire une gorge. Une machine pour piler. Une machine pour faire une gorge. Une machine pour laver. Machine pour faire l'autre gorge. L'autre gorge pour nier. Et ces machines, ce sont les jeunes qui vont travailler dessus. Ah non, non, quand il y a un gorge, il y a une machine. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire aux femmes?
Récupérer le fonio lavé. Récupérer le fonio lavé. Tamiser pour enlever les dernières saletés. Et précuire, c'est-à-dire cuire un peu. Et le gouvernement vient acheter. Parce que nous avons une usine à Guinée à Conakry qui va faire les sachets d'un kilo et 500 grammes. Avec le mode d'emploi en français et en anglais. Les États-Unis souhaitent remplacer le quinoa par le fonio. Donc nous avons un grand marché. En Europe, les gens veulent le fonio. Donc plus nous produisons fonio, plus nous avons un marché. La deuxième chose, c'est les pommes de terre. On produit beaucoup de pommes de terre au Fouta. Ne voulez pas manger des pommes de terre. Matin, midi, soir, oui. Donc, avant, vous voyez les pommes de terre au Sénégal. Thank you.